suite le combat. Oui, le combat qui est en phase de préparation, les 4 joueurs qui sont des 4 côtés. Alors, je vais te dire tout de suite le nom des deux équipes ainsi que les placements. Donc, du côté des Poponais, ça sera les. Ils seront en bleu. Donc, c'est Bouffeton, le SRAM, Ibit, le Panda, le Kart, le Steamer et El Paquito, le Zobal 200. Donc, une team qui part sans pilier quand même, hein, même pas un fake up. La rare team du tournoi à jouer comme ça. Et en face, on a donc les NYPD. Qui ne sont sans aucune référence les noms de Netero, Yugu, Plo Shadow et Draki, donc respectivement Salida, SRAM, Heliotrope et Sacrieur. Initiative côté Heliotrope, on va ramener tour 1. Probablement, oui. On met le réaction côté bleu, on met le panda qui joue premier juste tout devant. Oui. Sur cette map là, clairement les Heliotropes qui sont assez mortels. Oui. Alors, au niveau de lui, qu'est-ce que ça donne? Même s'il s'écrit pas très très fort sur cette map, ça reste un peu moins facile pour les boys. Mais en fait, ils ont 3 très bonnes classes de placement, plus un Salida pour entrer avec moi. Elle m'intéresse cette compo, on va voir ce qu'ils vont faire avec. Ils ont une bonne compo, ouais. T'as pas la vachette à skip. Il y a beaucoup d'Elio qui jouent à Flip. Alors, c'est un Elio Feu en équipe. Ouais. Elio Feu équipe, top classique. Panda qui est en. En c'est trio, la strigie de trio, avec une strigie. Ouais. Bah c'est le stuff dont je t'avais parlé l'autre fois. Bon, le SRAM qui est R avec des boîtes à Lister. Non, on va pas le ramener, on va juste taper. Non, on tape juste. Les deux SRAM qui sont R. Ah, attends. Lentement. N'allons pas trop vite pour les viewers. Donc on a dit Helio full feu à l'archétype, le panda qui joue un mix donc coiffe plus anneau cryochrone avec une full strigide et une rapière, stuff super efficace pour la résistance. Enfin ouais, il y a mieux à faire mais... Pour les résistances, pour les esquives pardon. Sur un panda c'est pas mal quoi. Pour les esquives je veux dire. Ouais sur. Pas les résistances, c'était les esquives. Plo Shadow. Qui est en Alistair double camas avec bah l'appel court sombre, ça veut dire qu'il a viré toutes les répous quand même. Oui, il a viré toutes les répous. Bah non. Il y a moins... Attends, si, il y a moins 20... Moins 42 répous sur les deux items Kamas. Donc il a 14. Non, non, non. Juste moins 21. Juste moins 21. Ouais. Ah, c'est peine pour lui. Mais il a quoi? Parce qu'il a pas l'épée grandue, puisqu'il a pas les fixes. Et à noter qu'il a quand même fait le choix de jouer 12-5 sur un SRAM. Ouais, après c'est une petite map, donc pourquoi pas. Mais je reste quand même pas fan. Il a peut-être une Karnak. Karnak en genre 12-5. Bah ouais, avec un trophée. Non, s'il joue 12-5, c'est clairement parce qu'il a appel court sombre et qu'il veut faire double arnaque cake. Oui, enfin, de toute façon, il a un trophée PA. Oui, non, mais ça c'est sûr. Est-ce qu'il a un Vulbis? Peut-être. Non, il a pas de Vulbis. Alors, bon, on va continuer le tour des stuffs, donc qui est pareil. Bouffeton. Ouais, lui par contre, ouais, c'est beaucoup plus clair que c'est l'Elistar double KMS. On voit bien les 14-14. Il a choisi la ceinture. Si, il a sorti la ceinture barbe étoile, lui. Ah oui, d'accord, c'est ouais, ça les rêves. C'est ça. Ok. Plutôt que la ceinture race boulaire. Pour choper des res neutres et des res feu qui sinon sont bien moches sur ce mode. Ça dit en vrai. Oui, c'est assez étrange. Du coup, il va pas du tout exploiter la voie feu. Ouais. C'est le dernier stuff que je penserais sur un Sadie. Pour moi, Sadie, c'est soit du burst air, soit dans les vitrofs. Mais la reine, je suis clairement pas convaincu. Il va peut-être me faire mentir, on va voir. Disons que la reine sur un Sadie Das, c'est un stuff de 1v1, quoi. Ouais, oui, pourquoi pas le 1v1, mais en PVP multi, pour moi, la reine, c'est clairement pas adapté. Du coup, la low card qui joue en mode terre? Ouais, avec Un chevelu, une épétoche? Non, y a pas de chevelu, il a 0% neutre. Ah, pardon. D'où sortent ces 20 fixos? Bah, il a une bêche de toute façon, mais. Double freeze. Ah, ou alors, c'est peut-être le cas qui fait le 20 fixo, mais je vois pas lequel. Je vais regarder ça vite fait, mais. Oui. Mais vu les restes, moi je dirais que c'est une bêche en cac. Hein. Parce que du coup, ça lui ferait avec le chrome terre 36. Oui. Et donc, on va continuer pour les stuff. Draki qui joue un mode classique en full sinistro, full double item glacial et. Coiffe. Haha, amulette du Nocturlab. Amulette du Nocturlab. Ouais. À
Ah, du coup, c'est un mode 101 sur 2, je pense. 101 sur 2. Si. Oui, oui, puisque l'attaque infernale est très bon pour un monde interne, mais elle ne permet pas de. Sauf si je joue mon vanille. Et du coup, il est. Avec une pêche et une nocturne, tu fais jamais 1 sur 2, hein, même avec un bon vanille. Bah, il est en double freeze, hein, ça fait pas mal de CC. Non, mais même avec une pêche, moins 6, ça me nocturne moins 6. On va voir. Oui, c'est oui, normalement il fait 1 sur 2. Alors, du coup, on va finir. Donc, il a mis une tourelle, mais il l'a pas évolué, si je me trompe pas. Ouais, il a pas évolué tourelle, c'est bizarre ça quand même. Et donc, il y a Pakito qui a un mono haut, en fou, sinistre fou, double glacial et coiffe d'anator. Ouais. Pas de coiffe d'anator. Pas de coiffe d'anator. Pas de coiffe d'anator. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas une coiffe d'anator. Il a 35. Bah, il a 35. Donc, Non, je te parlais d'Alpakito, Draki, j'avais déjà dit. Ah oui, Alpakito, oui, c'est ça. Il lui manque des récris par contre, mais c'est ça. Oui, il lui manque 6 récris. On s'en fout. Pas fan du global haut. Moi non plus. Le full haut, c'est quand même compliqué. Mais c'est vrai qu'avec un steamer full terre, ça peut faire mal. Oui, c'est sur ça qu'ils ont tablé. C'est peut-être pour ça qu'ils jouent à Minocube, qui fait beaucoup de dofix. Oui. Qui se dit, on va pas servir 1 sur 2, mais on va bien profiter de la calme. Oui, mais il y a aussi un CC sur la fouine. Et sur le poison fouine. Donc c'est peut-être un peu dommage quand même. Alors que ça nous fait remarquer que le steamer a décidé de jouer en 28 esquive PA contre un CDD avec la foule. C'est un peu tendu. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est la brousse. Donc, c'est un bloc qui est vraiment très très splitté. Le Zobal n'a pas pu placer son placement. Ceci est un échec. Alors, j'ai pas compris là. Pourquoi il a taillé à droite? J'ai vraiment pas compris là. Je. Draki joue loin, il joue après. Bah, je vais dire qu'il allait tranquillement à l'extérieur, mais non. Ah, ils sont super. Ils sont pas en position à cette équipe bleue. Ils sont totalement split. On va voir ce que va faire Ibid. Il se rapproche de son équipe, mais qu'est-ce qu'il va faire de son tour? Et comme il est platé, il aura pas grand-chose à faire. Bah rien du tout, ouais. On manque pas qu'un dans le cul, mais c'est très con. On met une kawatt pour que l'autre carte ne prenne pas trop cher de la part de Plo. Et c'est vrai que le 12 PA sur Plo, ça peut faire mal. Bah vu la map, le 5, je comprends. Ouais, moi je suis pas fan, mais c'est vrai que ça peut être envisageable sur une map comme ça. Bon, sur SRAM, vraiment, le 5 PM, je trouve ça vraiment difficile de s'en passer. Bah le 12 PA aussi. Enfin, c'est vrai que 12 PA, c'est vraiment rentable quand t'as... Ouais. Je suis en SRAM R, quoi. Alors, il a probablement sauté la kawatt avec une arnaque dans le portail. Non. Dans le portail, des kawatts. Dans le portail, ce sera mieux. Mais il n'aura pas les PM aussi. En fait pour. Il n'aura pas les PM pour aller taper après. Sauf s'il rentre dans le portail après. Oui. Enfin, on va voir s'il le fait. Hein. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Bon, voilà. Kawatt qui se fait one shot. Après, il s'expose peut-être un peu trop. Mais... Là, s'il était 6 PM, il aurait pu mettre son arnaque. Du coup, il met un piège sur moi. On va reculer, mais il va faire. Et mettre son arnaque, mais il va se faire des boîtes. Ouais, c'est. Bah, ça dit, je vois après, elle va pouvoir le libérer, sachant que Bouffon pourra pas pousser son. Alors, faut quand même retenir que. Une faune qui est placée dans un portail, le poison, ça booste le poison, il n'y a plus besoin, après, il n'y a plus besoin. Hein. Donc, une fois que le poison est mis sous portail, ça fait très, 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 très mal. Ah, ça booste le poison aussi? Ouais. Ah, ça, je savais pas. Ah bah c'est violent. Ouais. Oh, bien joué de la part de Bouffon, on l'a fait rentrer dans le vif, qui a mis son piège de silence en zone de 3 et qui met son double pour l'activer directement. Ah ouais, et là ça fait très mal le piège de silence. Bon, on va pas profiter du fun du coup, quoique on peut toujours le poser sur Draki. Il a une vue. Mais 50% terre sur Draki. Ouais, c'est vrai. Ils jouent tous en compte terre. Hein. Bah clairement... Du coup, le Zobal haut, pourquoi pas alors? Ouais, quand même pas. Hein. Bon, peut-être pas full haut, mais avec une base haut, ça aurait été pas mal. Donc, ça le debuff, oui, c'est leur seul soin, pourquoi pas. Il y a quand même cicatrisation, quoi. Oui, et puis les transferts du sacré aussi. On vient d'IB pour pouvoir taper. Alors, du coup, il peut aller taper sur Draki. Cette surpuissante qui ne sert à rien. Bah. Oui. Carra le double. Mais là par contre, Lockhart qui va se faire coop directement. Ça c'est dur. Ouais. Vu que c'est focus. Là voilà, la brise lame. C'est une bonne idée. Oh, belle anticipation de Bouffon.
5 pour ne pas les charger la peinture rapide. Bah, je l'aurais fait quand même, ouais. Vu que. Ok, d'accord, double si. Ouais, moi j'aurais quand même chargé la fouine. Mais j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il est parti tout à gauche pour évoluer. Il était bien en place, non? Ouais, non, mais franchement, moi j'aurais mis la fouine. Parce que là, du coup, ils ont pas frappé. Surtout que Daraki va coop. Ça réattire son héliotrope qui était taclé par le double panda wap. Mais il va pas lui coop au 4 quand même, si? Non. Je trouve que le jeu Helio, le jeu sacré, on bat spécialement en train de ça. La compo rouge a clairement du potentiel. Ben, disons que Sacri, ça dit SRAM, on a vu cette compo là gagner avec un panda, pas un Helitrop, mais on a vu cette compo là gagner la veille de Joel. Mais à mon avis, c'était pas les mêmes joueurs dessus. Oui. Bon, après, il y a Ice Insomnia qui sur le forum Joel a dit que pour lui, la compo, cette compo-là, la compo rouge, donc la compo des NYPD, serait en finale. Eh ben, on va voir. Et Undertow qui me prévient que le SRAM et le Yop de Légendaire Prime sont morts, et c'est du 2v4 au tour 7. Qu'on se dirigerait vers une victoire de la team Ross, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'était la compo. Ouais. Voilà, Yugu qui peut faire ça et tout simplement taper sur. Mais du coup, leur initiative, est-ce que c'était une bonne idée de faire jouer l'héliotrope juste après le sacré? Moi j'aurais mis un érodeur après quand même. Ont-ils? Que fait cet héliotrope? Il a des locks par rapport au Doppel. Il perd la ligne pour qu'il puisse doubler un attack. Alors là il avait moyen de faire un réseau de portail. Il avait les deux plus éloignés, c'était le numéro 1 et le numéro 2. Mais là je sais pas comment il va faire. Ils peuvent pas éroder là. Ouais, s'il faut qu'il pose son sadi avant quoi. Bah oui, clairement la compo a du potentiel. Hein. Sacri SRAM sadi avec un héliotrope à côté. Oui, clairement la compo a un potentiel de malade. Après c'est pas une compo facile à exploiter à mon avis. Alors du coup le panda qui se stab, j'espère qu'il va pas faire ça. Sauf si c'était volontaire. Mais non, ça a pas l'air. C'est étrange. Ce double qui va avec son style. Je suppose qu'il le savait, parce que je vois mal ce stab et rush dans un portail. Donc je suis quasiment sûr qu'il le savait. Maintenant la question c'est pourquoi est-ce qu'il s'est placé là? Pour bloquer le retour du sacré? Peut-être, oui. Alors, du coup ça avait érodé. Hein. Oui. Donc la brise lame qui était... Ouais, moi j'aurais peut-être invoqué une autre tourelle quoi. Parce que... Bah oui, là il n'y a plus de gardienne quoi. Ah, c'est surtout qu'il vient de... Ouais. Est-ce que c'était une bonne idée de mettre une autre arnaque? Ou plutôt qu'une autre érosion? Enfin, c'est vrai que c'est leur seul soin, là, non? Le kart, oui. Ouais, pourquoi pas. Oh, la zone! Et ouais, et ça fait mal. Oh, ça fait mal! Deux persos... Ils vont partir sur le sadi, je pense, non? SRAM, je dirais. Leur seul érodeur, mec. Il a pas encore envie. Ouais, mais c'est leur seul érodeur. Et le sadi est complètement bloqué, là. Il est bien en fait. Et c'est les SRAM du coup, ouais. Enfin là tu sais, là le sacré il est au loin, il a transpo de dispo mais... Bah il peut transpo une de la survie par exemple. Oui. Bon, donc Carnap ok, bah, c'est marrer sur les bio, et Narco à suivre pour partir au loin. Ouais mais du coup il se rapprocherait du... Des bon, je mettrais un coup de cake sur le SRAM avant de partir. Oui, bah oui, de toute façon, on aura un autre attaque de ce tour. On se PA là, tu fais Béchasse, Marais, Harpo, SP. Ouais, je pense que c'est mieux. Sachant que le gars n'a pas ta chance. Ah oui, il a sa tempo dans la fille, donc il pourra venir taper dessus directement. Alors, il fait la marée avant, peut-être qu'il va faire un spécial. Il va mettre une faune. Non, il veut tuer la faune. Tu la faune, ouais, mais en but, là tu pars. Sauf s'il refait une faune crit. Oui, mais il est pas 1 sur 2. Non, ah oui. Ouais. Du coup, peut-être qu'une fois, il aurait été rentable avec ce Doppel. Ouais, bah, il n'a pas fait de Doppel, souci. Oui, ouais, ça va. Je préférais taper la zone. Alors, autour de Draki, il a la transpo de dispo et pour venir,
probablement une transpo sur la folle, je dirais. Voilà, oui, il peut écarter la folle. Ça sera le plus difficile à faire. La folle va prendre une planète d'Aibit avant, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tirer Zobam? Ça sert un petit peu à rien. Bah, pour éviter un... Donc, il tacle pas du tout. Bah oui, enfin, le plastron, il veut quand même le mettre, là. Ah bah là... Il est large, hein. Oui, oui, très large, même. Il peut juste passer, faire un rush. Il fait même pas un rush. Il fait classe à peau et plastron. J'aimerais pas être un zobal de forme. Quoi? Avec deux zobal, deux mini zobal qui commencent. What? Non, mais c'est bon, il a les thèmes pour moi. Oui, mais. Ouais. Il aurait dû à peau, quoi. Bah, je pense qu'ils veulent pas trop l'écarter, je sais pas trop pourquoi, mais. Vous avez peut-être donné du DAC à l'OTA. Alors, faut quand même noter que le Sadida a claqué le debuff T2 sur le Héliotrope. Donc, il n'y a pas de. Ouf! Oh, ce doppel, le Doppelzobel qui là vient faire tellement mal. Il y a le Groot encore. Ouais, il y a le Groot, mais bon. Mais bon. C'est pas c'est Clou Shadow qui part. Ah, mais là, mais. Clou Shadow, il va pas ce tour là. Bah, il va taper sur Bouffeton quoi. Ouais, enfin, Bouffeton qui est full life pas érodé. Il va taper sur Panda là. Ouais, enfin, il a une bombe. Pardon? Là, par contre, je sais pas ce qu'il fait. Ça, c'est moi ou ça sert à rien? Ah, ça sert à rien, là. Ou alors, j'ai pas compris pour l'instant. Mais... Je confirme, ça ne sert à rien. Je dirais même que là, Aibit, il fait une flamie sur la folle. Il faut tuer cette folle. Bah, ça, c'est sûr. Bah, je pense qu'il va le faire. Hein. Oui. À moins que, quoi que le Double Panda le fera probablement. Ouais. Non, le Double Panda va pas être. Je suis pas sûr. Hein. Non, il en a rien à foutre. Non, mais il va pas le faire. Il va sur Clou Shadow. Mais il va sur Clou Shadow, hein. Ouais, ouais. Il va mettre deux vagues et une flasque. Deux vagues et une flasque sur la zone. Dans les deux, ouais. Non. What? Il va aller. Il fait. Là, il va porter. Non, il aura pas le temps, là. Oh, non. Ouais. C'était pas très utile de porter. En plus, c'était pas très utile de le porter, quoi. Non, il est complètement taclé, le SRAM. Et puis surtout que là, il est safe. Hein. Non seulement le SRAM est complètement taclé, mais en plus, le Sadida va aussi se faire complètement tacler. Et il a 2007 de Vita, enfin, avec le plastron. Ah, oui. Un vide d'autrui. Bon, enfin, du coup, de le protéger un peu. Ben, moi, j'aurais tapé sur le SRAM, là, quand même. Il peut rien non, faire. Non, mais il a un vide d'autrui double, le mec. Oui, non, mais j'aurais tapé sur le SRAM. Oui, non, mais clairement. Là, il met un marteau de moon. Là, de toute façon, Bouffeton il repasse dans le portail, il va repérage Netero et il le défonce. Hein. Il a même pas besoin de repérage. Bah, si pour Netero a pas sa libé. Ouais, il a déjà libé autour d'avant. Ah, il a libé le tour d'avant, pardon. Bah, arnaque cac là. Hein. Bah, il non, arnaque maîtrise cac. Ouais, arnaque maîtrise cac. Ouais, c'est ce qu'il va faire, je pense. C'est parti. Du coup, cette folle qui est toujours en vie. Hein. Ouais, ça commence à être un peu risqué. Y'a qui est infecté? Alors, y'a pas le SRAM déjà, donc ça c'est le bon point. Ouais, parce que du coup, là, il peut rien faire du tout. Cette... Y'a pas Steamer non. Attends, mais y'a personne? Ah si, il a sa libé. Y'a Zoban. Ah bah, on a dit des bêtises. Alors, qui est-ce qui a libé autour d'avant? Et donc, c'est pas les... le fond qui est actuellement ici. Il va faire quoi là? Mais qu'est-ce que tu dis? Bouffeton il est visible, mec. Hein. Bouffeton est visible. Ah, oui. C'est le double qui est invisible. C'est le double qui est invisible. Oui, donc le double de Bouffeton qui est ici. Ah, il faut vraiment tuer cette folle. Non, elle risque rien la folle là. Ah, mais faut la tuer. Bah, pour l'instant, y a pas trop de risque à ne pas la tuer. Il hein. Y a que le double qui est infecté. Mais... Bah, c'est vrai que là, le Zobal, ça craint pas trop, mais. Est-ce qu'il va réévoluer une tourelle? Bah, il est... Du coup, il a la relance. Oui, là. Bah, il. Le problème là, c'est que le monotaire. Ouais, gardienne. Pourquoi il a pas posé la gardienne sur le portail? Parce qu'elle était peut-être trop loin après. Pourquoi est-ce qu'il finit là? Pour le soin de la gardienne, probablement. Ouais, mais il l'a évolué, donc il a le soigné à 4 cases. C'est mis en pleine ligne du portail, quoi. Je pense qu'il voulait s'éloigner, mais qu'il a pas fait gaffe au portail. Et là... Du
coup, Draki qui lui n'a ni sa transpo ni sa coop pour l'instant. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est aller taper sur El Paquito. Tuer les popoles. Ouais, bah prendre la zone d'Isso, je pense, sur El Paquito et le. Parce que le oui, c'est vrai qu'il a pris cher déjà. Faudrait peut-être qu'il aille faire dehors, du coup. Il est pas boosté, mais il a pris cher quand même. Oui. Bah, le piège silence. Et en plus, ouais, il continue les transferts. Il va pouvoir finir bientôt. Le SRAM qui était pas dans le transfert. Hein. Non, je sais pas où est le SRAM. Est-ce que ce serait pas le moment d'aller claquer une masca là? Ah, carrément, ouais. Sur 7% là. Ouais, sur 7% neutre là, il y va, il explose. Il y a quand même l'infraction. Et il y va. Ah ouais, il va bullish derrière ou catch, je sais pas ce qu'il peut rentrer. Ouais, non, mais enfin, il a 7%. Hein. Bah, et il est full vie. Il y a pas la fraction, mec. Si, il y a la fraction. Mais il aurait dû masquer. Ah, il a retrouvé le scrum par contre. Bah. Bonjour, Plo. Moi, j'aurais masqué après, même sous fraction, moi. Pas convaincu. Non, là pour le coup, non, c'est vrai que sous fraction. Ouais, mais il faisait tellement mal. Il va juste taper. Ouais, du coup là. Bah c'est gratuit. Un placement un peu étrange, quoi. En plus, il a une bonne. J'aurais peut-être dû bloquer le portail. Il va. What? Il bloque pas? Oui, il rentre dedans. Oui, enfin là, j'ai envie de te dire, Plo Shadow, il va prendre la bite déjà. Plo Shadow. Ah non, Netero. Ok, vu le placement. Bah oui, là il tape sur le SRAM. Ouais. Il tape sur le SRAM, il va porter son steamer. Le SRAM qui est ici, hein, donc. Ouais, mais non, il préfère taper. C'est étrange oui, d'ailleurs. Ah oui, il tape sur le Sadi en même temps, oui, de toute façon. Oui. Pourquoi pas. Et là, il va porter son steamer. Ah, finish avant. Il avait le temps, mais pas la ligne de vue. Oui, pardon, non, il avait tout de suite de PA, oui, excuse-moi. Bon, du coup, il le laisse là pour pouvoir taper sur le C. Non, il pourra pas taper sur le CD ici. Et pourquoi il se place là? Oui, il craint rien là. Oui, mais. Oui, mais enfin, c'est bizarre. Ouais, je sais pas que le passeport c'est ça m'en dit. Ils sont quand même pas super bien les rouges. Hein. Bah, 1345 pendus pour Nightmare. Bah parce qu'ils prennent tous vraiment cher quoi. Alors que de l'autre côté ils sont assez safe sauf le Steam. Du coup. Ah, se met... ah piégerai plus, bon bah. Ouais. J'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Cac ou double arnaque. Mais du coup là c'est Sadi qui est taclé parce qu'il a pu saliber ce tour-ci, c'est sûr. Un Groot, une gonflable. C'est un Groot. Ah oui, il a une belle zone. Ok. Ouais, enfin, grosse zone, mais il n'y a pas la fraction, il a 829 HP quoi, il y a la masque à dispo. Hein. Il va y avoir un sacrifice, mais. Bah c'est vrai que là la masca en plus c'est une cabriole et une masca et puis voilà. Ouais. Ouais il après il va y a probablement y avoir le sacrifice hein, je te dis. Oui, s'il n'y a pas le sacrifice de Sadie est mort ça. Et il vient bloquer le portail. Enfin, Locard, il peut quand même taper là. Locard. Ah putain là. Eh, c'est pour ça le placement de Ibit, c'est étrange. Maintenant, il peut devenir ici pour taper. C'est juste que là, il a plus de. Bah oui, mais enfin, à mon avis, il voulait pas descendre le steamer là.
Bah, Wiki Smith, après, il avait pas le choix. Il voulait ne pas descendre. Ouais, moi je pense qu'il voulait pas descendre, c'est pour ça que je. Enfin, ouais. Non, ça c'est pas cool. Et pourquoi il fait ça? Il a peur de faire quoi? Ouais, mais. Il y avait peut-être des invoques, un chauffeur à mettre. Il y a peut-être qu'une invoque. Ouais, ça peut être une invoque, je pense. Alors ensuite, Draki, bon, il va faire le sacrifice. Probablement, oui. Même sûr. Ouais, voilà. Elle double dans la zone. Mais, ouais, ça va, il a récupéré Draki. Avec le Groot. Il va aller bourrer sur le panda. Et ouais, là, il va taper. Hein. Ouf. Et bah ouais. Et là, c'était pour ça, du coup, le. L'arbre pour bloquer. Ouais. Bah ouais, mais ce placement, je suis vraiment pas fan. Bon, du coup, ça, ils vont peut-être partir sur l'hélio, même sûrement. Pourquoi pas faire sacré ? Bah ouais, ils pourraient. Mais l'hélio est à leur cac et il est bloqué là. Oui, oui. Ouais, surtout que là, tu pourras pas te pousser vu qu'il est totalement dans un coin là. Et ce SRAM qui se fait tacler par le Doppel. Ouais, il va porter à Odyssey, je pense. C'est étrange quand même, le SRAM qui se fait tacler par un Doppel. Il a moins 58, non? Ouais, mais il a que 15 de tacle, le Doppel. Ouais. Et c'est un SRAM full agi. En gros, il a 79 de fuite tacle dans le grand maximum. Voilà. Odyssey. Odyssey, c'est sûr. Ouais. Ce sera mes safe. Et là, il est taclé par le Doppel, celui-là aussi. Ouais. Ça va être chaud pour le combat de 22h du coup. Bah ouais. Là, pour l'instant, ce combat est pas décidé, je me vois mal switcher. Hein. Oui, oui, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'ils font là? Si l'un de vous deux pourrait switcher de combat pour nous tenir un petit peu au courant, histoire qu'on ne soit pas trop perdu quand on arrive. Alors, le Doppel Panda, qui prend une zone, qui prend une deuxième zone, c'est un peu un hipster, il prend toutes les zones qu'il trouve. Doppel hipster. Du coup, oh, le Shadow qui. Mais il va aller terminer le quart. Il va aller chercher. Non, il veut pas. Ah non, il joue en 5 PM. Mais c'est bien là. Hein. Si, ah, d'accord, ok. Ah, là, c'est bon. Ouais, c'est ça, c'était bien que le coup. Du coup, à mon avis, c'est un trophée PM, non? Non, il aurait pas autant de tacles. Bah, au vu de ses rêves, il a 88, hein. Parce que au vu de ses rêves, il a 7% l'autre, 7% feu. Ça veut dire que. Bah, il a mis, je veux dire, il a mis un chrome terre feu, ça veut dire qu'il a la fin du rasboulaire et je vois pas où il récupère le PM. À mon sachant avis, qu'il n'a pas du beat. Il est... Ouais, là, il avait que 88 en full agi. Oui, c'est ça, je pense qu'il joue voyageur. Hein. Peut-être avec un trophée FF5, hein. Quoique, même pas, quand tu compares un bouton, il y a bien environ 32 tags de différence. Ouais, un bouton qui a plus de points de vie, donc. Relance une folle. Un staté 300 AG et Flo un staté 400 AG. Ça va devenir difficile là. Oui, oui, ça va vraiment se compliquer pour cette équipe. Hétéro qui redéclenche un piège de silence et qui claque ses 3 PA, ouf. Il prend cher. Ouais. Oui, oh la folle qui. Bon là par contre la folle, faut vraiment la tuer là. Eh hey, y'a deux folles. Draki qui a récupéré. Qui a toutes ses relances là. Ouais mais je sais pas trop. Il a rien d'intéressant à faire avec ses relances. Peut-être ramener le frein. Il fait peut-être quelque chose ce sacré quand même. Ouais. En
refait ton châtier, est-ce qu'on va décider de... Il a quand même bourré le panda sur son truc. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, d'accord, je préfère refaire un double châtier puis... C'est un circuit du 1v1. Alors, du coup, Paquito qui... Il a son plastron. Qui va plaquer le plastron. Ouais, et un coup de rapière sur... Un coup de rapière sur la folle, ouais, qui va la tuer. Voilà. Oh, putain, il tape pas très fort. Ouais, non. Sur 5% de faiblesse. Ouais, il tape pas super fort avec la rapière. Putain, il a pas de boule. Ouais, c'est sûr. Bah, ouais, vitesse normale, mais même... Il a un mode avec beaucoup de chance, quand même. On est clip sur Draki. Ah, sur la... Sur les cerveaux, d'accord. Gros équipe, hein. C'est pas mal, en effet. L'hétéro qui a pris bien cher en Vitamax quand même, hein, 2500 HP. Mais c'est rouges qui ont bien renversé le combat parce qu'ils étaient vraiment super mal à un moment, je les voyais tomber. Et finalement non. Ils s'en sortent bien. Cherchez pour Playboy ou prochain tour. Alors du coup probablement. Voilà. Ouais, il dit que tu t'as suivi, il a bien fait. Il a pas intérêt à debuff à mon avis, il y a des PB qu'il a sur la tête. Peut-être de venir chercher une ligne de vue sur la surpuit en avance. D'accord. Il se debuff. On va lancer son SRAM. C'est pas débile vu que le SRAM Blue Shadow s'est fait isoler, s'est isolé tout seul à balle. Donc ouais, il va pouvoir éclater. C'est même son milieu qui l'a isolé à porter, à poser ses deux portails et à venir lancer. Ouais. Ouais, il aurait peut-être dû les laisser. Bah, il avait tout intérêt à les laisser même. Il avait aucun intérêt à poser ses portails en bas. Que là, il va prendre une zone fourreau, je pense, bouffeton. Ouais, sur la... Bah, il va peur, il va prendre la zone fourreau, ouais. Il a que l'UPA, vous. Bah, il va avoir le... Ah, il a que l'UPA, ouais. Pourquoi Bru, il vient de tuer sa folle. Il voulait récupérer le... Là, ou... L'invoque, je pense. Non, c'est... Non, mais il a aucune invoque sur... Il a qu'une seule invoque, faut pas déconner. Non, bah non, là... Non, bah non, il a pas que deux invoques. Oh, bah... Bon bah là il cherche pas à comprendre, il fait un double fort voilà. Ouais c'est ça. Mais franchement, pourquoi il a tué cette folle? Je sais pas. Oh ça double crit en plus. Il a sacrifié le double? Oui. Ah ouais. J'avais dit tout à l'heure. Ah non, je pensais que c'était Blue Shadow. Coup bouffeton qui est boosté comme un... Comme un sac là. Ah, 360 agi, 360 force. Et ils sont tous bas en vite, hein. Ouais. Sauf même ouais, Yugo qui est quand même pas très safe. Oh, ouais, debuff direct. Ouais, c'est on a debuff les boosts, ouais. En même temps, il avait une puissance pour 4 tours. Ouais, en plus du tacle et de la fuite que ça a porté. Ils ont plus du tout de soin. Bon, là, il va prendre la punie par contre. Hein. Ouais. Il est bien, bien optique. C'est pas fini parce que là. Ah là, le SRAM il va prendre trop cher. Il prend la punie, il prend un coup de cac. Bah, pour moi, Paquito il passe dans le portail. Ah non, putain, il joue après. Ah là là, bah, il va y avoir une transpo sur l'hétéro alors, ou sur l'arbre. Voilà, ouais, et là, c'est puni cac. Ouais. Pas de crit, heureusement. Ouais, je pense que c'est terminé là. Ouais. On passe sur l'autre match ou. On va attendre la mort de bouffeton. Ah non, il est sacré par le dos. Oui. Parce que là, de toute façon, bon, ça fera pas d'écrasante, mais je vois pas comment il pourrait revenir. Moi non plus. En plus, il y a encore le SRAM en fond qui est en train de revenir. Paquito, il va rentrer dans le portail, il va rush le Doppel, faire une cabriole et faire une et claquer une masquette sur l'hétéro. Non. Non, il va pas s'autolock. Mm-hmm. Si. Voilà, il s'autolock. Il a fait une Borderland. Bon, après, c'est un Zobal. Oui, c'est sûr, mais bon. Il cabriole en arrière ou appui ou il reste là ouais, appui. Sur l'appui en sinistro. Vraiment le sort le plus utile en dehors du déplacement. Pour faire des dopous. Elle est debout. Et là.
Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Il y a certains tours où j'ai quand même un peu de mal. Ah d'accord. Mais pourquoi il le tue pas? Déjà? Surtout parce qu'il reste un point de vie. Il y a trois portails dans son corps, donc il y en a forcément un qui va pas être neutral. Et là, c'est le numéro 2. Il a vu celui qui est revenu. Faux Shadow qui va pas pouvoir les taper, ou alors avec un répu. Ouais. C'est ce qu'il va faire, je pense. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il l'a placé ici. Pour faire double arnaque ainsi de, mais comme j'en ai eu trois, et c'est pas un double arnaque. Enfin, je pense pas. Ouais, un vague. C'est quel portail qui est pas bloqué? Les deux. Je suis dubitatif sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur le stuff de 8-bit. Pourquoi? Parce que jamais tu t'as pris une flasque explosive à 200 si jamais t'étais en cryostrigine. Bah. Bah si, c'est ça. Hein. Si, c'était pas en full zone. Hein. Enfin, c'était pas en full zone, c'est mais. Il a peut-être beaucoup de stats en Vita, pas du tout en Intel. Ouais, enfin, 22%. Il est peut-être 100 pour premier DDG. Ah, mais le tonneau d'Ibit qu'il est mis au fond. Ah, mais. Il le tombe. Ouais. Le tonneau qui a attiré Faux Shadow, ça les a carrément. Bon, bah on peut switcher, non? Ouais, bah là on va switcher, ouais. Félicitations, donc. NYPD qui. Ah, bah y'a pas d'autre match. Y'a pas de match à 22h? Bah, il est pas lancé. Ah, j'ai coupé de fait, en plus, je ne comprends pas. On va retourner dans le match. Et il n'y a pas d'autre match? Vas-y, retourne-y en attendant. Il est pas encore lancé? Oui, bah, abandon, donc c'est la part d'abandon apparemment. Non, c'est Tizaran, mec. Ah oui, pardon, j'ai pas vu que c'était Tizaran qui parle. Pierre en parle, écoute pas. Alors on retourne dans le combat, on a rien raté de façon. Oui. Allez, bitch, il s'est poussé par Groot. Oh, bah là il est mort. Ah non. Il y a Gonflap qui vit. Bah, il peut encore faire le tour. Ouais, c'est bon, il y a la peine. Par contre, là il va peut-être plus Fury avant. Bah il va peut-être plus Fury pour ce bout. Ouais, bon. D'accord. Ouais, non, il termine avec la Dissot. Il aurait dû attirer avant. Oui. Ouais, parce que là du coup il peut Fury sur son Sadie. Mais... Fury? Ouais, d'accord, oui, là oui. On va voir les traces, mais... De toute façon, là, le Zobal sous trans. Ouais. Et voilà. Pourquoi pas? Il va faire une IB de bully, je le Zobal. Ça sert à rien de taper, de toute façon, parce que pas trans, pas trans. Ouais. Moi, il a fait une Kibri... Non, bully. Non, une IB. Non, une bully. Oui, c'est une bully. Ouais. Bon, bah, du coup, ils ont évité l'écrasante, quand même. Ouais. Mais ils ont pas une team facile à jouer, hein. Ouais, là, le soin, je sais pas si c'était vraiment nécessaire. Ouais. Ouais, il aurait pu taper, tout simplement. Et tu utilisais des portails? Non, ça, c'est con, par contre. Il va cogner, là. Oui, il va bourrer. Hein. Arnaque. Naitero qui a pile les pelles pour faire le tour du portail et taper d'ici. Mais c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il fait. Bah, il tape. Voilà,